Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Yann. Ça, c'est un bon déjeuner. Bon, je vais faire un autre direct en journée. Mais je me suis dit, comme ça, c'est le matin, autant mieux que je vous donne deux, trois instructions. Donc, nous accueillons nos ancêtres dans cet espace. Pensez à vos grands-mères, vos grands-pères qui sont décédés. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de lire ton énergie. J'ai une connaissance. Il me dit qu'il y a un marabout là qui le suit. Et son marabout là a toujours. Donc, le marabout voit toujours un problème sur lui. Non, il m'a dit que je suis voilé jusqu'à qu'il y a les choses noires sur moi. Hey! Donc depuis 5 ans là, le père n'a rien retiré sur toi. Chaque fois qu'il fait ses papiers, ça échoue. Chaque fois qu'il y a. Mince. Il repart de marabout, il a dit, oh non. C'est comme si c'était le dribble même en fait. Que ce n'est plus le côté si c'est maintenant le côté là. Que non, ce n'est même plus le côté si maintenant, c'est plutôt le côté là. Ah. Un jour, je dis au gars là que je ne trouve pas que c'est bizarre. Chaque jour, il y a des problèmes sur toi. Depuis 5 ans, on t'a jamais dit qu'il y a une bonne nouvelle. Mais dis non, c'est vrai. Voilà ce qu'il a découvert sur moi. Et ils sont toujours en train de retirer les choses sur vous. Ils retirent les choses, ça ne finit pas. Bien voir les choses qu'on a retirées sur moi. Merci pour les fleurs. Mince. Vous avez les belles fleurs ce matin. Ah, il a retiré les choses dans ma tête la dernière fois. On a mis ça pour que je ne réussisse pas à l'école. Ok. On avait mis celui-ci là pour que je ne réussisse pas au football. D'accord. Il a retiré 5 trucs. Pourquoi on ne t'a pas sélectionné? Posez-vous les bonnes questions. Bonjour, je l'aime bien. Bon anniversaire. Tu te réveilles cette année et que tu prennes ce qui t'appartient. Le pilier pomme, faut que je fasse le pilier plat. Pilier planté, mais. Ah, c'est le pilier planté, mais que j'aime. Quand tu manges ça le matin, je suis pas malu. Soyez des personnes que. Vous ne poursuivez pas seulement les mauvaises nouvelles. Vous connaissez ce que vous cherchez. C'est pour ça que j'aime la Bible. En anglais, la Bible, c'est the gospel, good news. La Bible, ça veut dire bonne nouvelle. Merci beaucoup, Cathy. Merci, la reine.
La Bible, quand tu traduis de l'anglais au français, ça veut dire bonne nouvelle. Donc faites attention quand vous partez chez vos gens de mauvaises nouvelles. Et je vous connais. Il y en a que je prends souvent en consultation, non? Dis-moi, dis-moi. 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 Hé, qui m'a fait ça? Et vous aimez, en fait, vous aimez les... Bêta, vous partez regarder le film d'horreur. Partez regarder le film d'horreur. Venez pas payer les consultations chez moi. Partez regarder les films d'horreur. Ouais. Les films nigériens, là. Mm-hmm. Elle m'a bloqué comment? Elle m'a bloqué comment? Je savais. Sans que vous partez, ils vous disent les choses. Et ils ne vous donnent pas les solutions. On va voir trois voiles sur toi. Trois voiles noires. Je te dis, les voiles que je vois là, va d'abord te laver, va d'abord même danser la poule avant de venir. Parce que ça me prépare encore pour te faire un autre jet. Tout diagnostic qu'on fait sur vous, à la fin, on va te montrer la porte par laquelle tu vas sortir. Je sais que vous aimez ça. Aimez toujours, cherchez toutes les mauvaises nouvelles. Je sais pas ce que vous faites sur ma page d'abord. Mais les mauvaises nouvelles. Non, c'est comme ça qu'ils m'ont attaché. On poste au sud-ouest. On me doit là des anciens leaders. Dites-moi comment m'a bloqué. La femme de mon père, non. Je savais. Oui. Quand elle dormait chez eux, là, elle venait comme le vampire, non. Elle suçait mon cerveau, non. Oui. J'ai toujours su. Elle a sucé ton cerveau depuis que tu as 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit que le gars là, chaque fois qu'il parle chez le monsieur, souvent il appelle, je lui dis que toi-même, regarde la réalité des choses en face. Tu parles chez l'homme c'est depuis presque 5 ans. Vous êtes déjà parti dans tous les trous. Là où l'arrière-grand-père de ton grand-père était, vous êtes parti. Vous êtes allé dans les brousses, pris toutes les qualités de terre, déterré toutes les qualités de choses. Donc depuis 5 ans là, aucun travail n'a fait qu'un de tes trucs avance. Tu as mangé la sauce d'arachide avec les légumes et les plantains. Ok, Vélin. Moi, j'aime moins la nourriture. Faites attention aux personnes à qui vous laissez le pouvoir sur votre énergie. Il y a même les endroits que, même si on est parti, parfois ta soeur part quelque part, on commence à lui parler de toi, à ta soeur. Quand elle vient, elle te dit, il faut faire attention, prends avec les pincettes. On m'a dit que le gars avec lequel tu es là, il va mourir. Donc, il va te prendre à la sorcellerie. On m'a dit que vos deux enfants vont mourir. Tu vas concevoir, tu vas... Hey, quel est... Maman, le premier traitement, ça commence quand tu arrives chez le médecin d'abord. Ce qui te dit. J'ai
J'ai une jeune fille comme ça l'autre jour. Excusez-moi, elle arrive, je vois ce qu'il y a sur elle. Mais la jeune fille, déjà, elle ne se lavait même pas avec le sel. Alors qu'elle passe son temps, elle s'est dit, lavez-vous avec le sel, lavez-vous avec le sel. Elle ne se lavait pas avec le sel. Ce qui fait qu'on arrive dans la consultation, ça bloque. Tu dis, ok. Là où tu es, tu n'es même pas prête pour bien écouter ce qu'elle te dit. Si elle te montre comment on t'a bloqué, elle te dit ce qu'on a fait sur toi. Et je sais que c'est ce que tu viens chercher. Je vois que tu es comme une sangsue. Tu aimes, c'est ça que tu aimes. Je ne te dirai pas. Mais je vais te dire ce que tu dois faire pour sortir du trou que tu es venu me dire que j'ai ça comme problème. Je vais te donner trois instructions. Et un traitement. À la fin, elle me dit que non. Non. Dis-moi, que je veux savoir, dis-moi. Il y en a parmi vous, vous ne voulez même pas la solution à vos problèmes. Peut-être vous ne savez même pas. Tout ce que vous voulez, c'est seulement les mauvaises nouvelles. Je vous ai dit, allez lire les faits divers dans les journaux. On va vous dire. Oui, un homme s'est levé, il a coupé sa femme, il a coupé ses enfants. Après, il s'est suicidé. Allez suivre ça là-bas. Ce ne sera pas dans ma salle de consultation. Ce ne sera pas... Non, je vous dis, jamais. Parce que quand tu vas finir, après, quand elle va sortir de la consultation, « Hey, hey, maman, maman, donc m'a bloqué depuis 20 ans. Hey, maman, qu'est-ce que j'ai fait ?» Après, pensons, « Ouais, c'est ma tante, là. » La consultation, elle t'a aidé à quoi? Ça t'a aidé à quoi? Ça t'a aidé à quoi? Et il n'y a que les gens qui ont le cœur pur, qui veulent vraiment guérir, qui vont vouloir le bien. Vous n'allez jamais me voir venir parler, dire les mauvaises histoires ici. Qui, après, ils ont fait, après, la femme là est morte. Après, ses enfants sont morts. Après, tout le monde est mort. Non, ce qui veut vous dire qu'ils sont morts, après, on les a ressuscités. Je ne suis pas dans les mauvaises histoires. Parce que pour moi, là, le film se termine toujours bien. Même quand il veut mourir, après, il veut ressusciter. Tous mes films se terminent toujours bien. Donc, connaissez, il faut bien savoir ce que vous cherchez. Et vous ne savez pas que votre esprit est tellement puissant. Tout ce que tu mets dans ton esprit, tu es en train de développer la capacité de réaliser la chose. Va mettre dans ton esprit qu'on t'a bloqué. Va bien mettre. Oui, c'est pour ça que tous les hommes qui viennent vers moi fuient. On ne t'a pas dit ce qu'il faut faire pour te marier finalement. Hein. On t'a dit comment on a bloqué ta mère, ta grand-mère. Oui, toi-même on t'a bloqué. C'est pour ça que les quatre derniers mariages que tu avais prévus n'ont pas marché. Tu sors de là, je dis, hé hey, Seigneur, comment on peut bloquer une femme comme ça? La personne ne t'a rien dit sur ce que tu vas faire pour te marier finalement. Oh, on a mis les fibromes, on a mis les trucs dans ton ventre, on a mis ceci. La personne ne va pas te dire, prends ça, tu bois, prends ça, tu fais, va faire même 5 jours de jeûne, va faire ceci. Non. Wow, Ariston, j'aime les témoignages comme ça. Qu'elle dit mes choses aux gens, ils croient qu'elle ment. Ma reine, j'ai eu trop de déceptions côté sentimental, si bien que je n'y croyais plus. Je te suis depuis deux mois, en priant de Dieu de m'envoyer un mari. Et il y a 2 mois, un monsieur est derrière moi. Et il m'a demandé un mariage avec une bague de fiançailles. Ah, tu dis que c'est tôt. Ah, c'est une vidéo. Tu es déjà des personnes que vous aimez, qu'on fasse 6 ans. Tu couches avec lui-même 203 000 fois. Quelqu'un veut t'épouser avant de faire des enfants avec toi. Tu dis que c'est piégeux. Hein, Ariston? Tu pries, Seigneur, envoie-moi l'homme. C'est comme le monsieur qui était sur le... qui allait se noyer là. Seigneur, aide-moi. On envoie un homme avec la pirogue. Non, non, non. J'ai dit que Dieu doit m'aider.
Seigneur, aide-moi. L'hélicoptère vient. Donne la main, monsieur. Je dis que Dieu m'aide. Et vous allez voir qu'en ligne, il y a les gens qui nourrissent les mauvaises histoires dans vous. C'est comme si la personne n'a jamais une bonne histoire. Ah oui, maman, la femme est arrivée en Europe, elle l'a bloquée. Dans la nuit, quand ils dormaient, elle venait dans leur chambre, elle prenait leur cerveau, elle voulait leurs étoiles. Après, son serpent sortait. Après, son. Il demande de quoi? Tu connais ça te fait quoi? Hein? Voilà quelqu'un qui a prié, elle dit que Dieu donne-moi le mari. Le mari vient, elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle croit qu'elle n'a pas bien prié. Prie encore pendant 6 mois, alors, ma fille. Il faut qu'elle te dise que quoi. Et la majorité du temps, ce qui gâtait vos propres bénédictions, c'était vos pensées. Tu restais comme ça donnait bien. Dès que tu le présentes maintenant à une certaine classe de personnes, tes amis ou bien certains membres de ta famille, là, tu es sûr. L'homme, c'est là, tu es sûr qu'il ne va pas abuser de toi. Les hommes du village, là, on m'a dit qu'ils sont, ils sont pas bien. Tu n'avais jamais goûté de ton nom. Et ça se passait bien. À partir du jour-là, dès que tu le regardes, il fait un geste un peu, tu dis, On dit que les gens de ton village, là, font comme ça. Après, tu lui dis, oui, tu vas faire comme les gens de ton village. Oui, les Barentais sont toujours comme ça. Oui. C'est une pensée qu'on est venu déposer dans ta tête. Mais comme tu n'avais pas confiance en toi, tu n'avais pas confiance qu'un homme peut venir, il t'aime aussi comme ça. Jusqu'à ça se passe bien comme ça, pour rien. Tu oublies le nombre de fois que tu lavais le pipi et le sel. Goûte ton corps. Moi, je suis salé. Mon corps est salé là. C'est Ilia, ça ne fait pas partie de mon sujet. Je ne veux même pas parler. Je n'aime pas qu'on m'éparpille trop dans les sujets. Ça me donne les maux de tête. Ce que je veux vous dire en fait, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés déjà à un niveau. Si tu me suis depuis 2 mois, je te lave avec le sel depuis 2 mois. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà changées dans ta vie sans savoir. Beaucoup. Tu as déjà enlevé les malédictions, tu as déjà enlevé beaucoup de choses. La prochaine fois que quelqu'un va venir te dire, ah, tu es bloqué. J'ai dit. Personne ne te regarde comme ça là. Je vois 5 boules noires sur toi. Regarde seulement ça là. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose qui est vrai avec ton corps, ton esprit, le Saint-Esprit te dit, c'est ça. À quoi, nanak? Ah, nignon. Par contre, quand la personne dit que ça te fait peur, tu as un esprit de peur qui vient sur toi. J'ai 5 boules noires. Un homme ne va jamais t'épouser. On t'a mis quelque part qu'un homme ne peut même pas te regarder. Hey. Faites attention. Hey, maman. Hey. Parfois, le diable n'a pas besoin de choses cassées sur toi. Hein. Il envoie sa même petite personne comme ça. Un petit truc comme ça, là. Ça reste dans ton esprit. Bam. Te voilà toi-même maintenant. Te voilà dans la volonté. Je donne les prières. Je dis prier, jeûner, jeûner. On jeûne, on jeûne, on prie, on déclare. Je reçois mes papiers. Je reçois mon mari. 2 semaines plus tard, un homme vient. Il dit, maman, tu me plais. Ouais, je veux qu'on vive ensemble. Je veux qu'on se marie. Tu oublies que tu as prié pour ça. Ça fait 2 semaines. Et comme tu étais habitué à ce que tu pries, Dieu ne te réponde pas. Et comme je dis ici chaque jour que Dieu va te répondre, tu dis, elle parle seulement. Dieu répond où? Dieu répond. Et Dieu ne fait pas 6 ans. Dieu, son truc, c'est ça prend le TGV. Le TGV n'est même pas rapide. Ça prend la fusée. Et si tu as décidé que tu seras heureuse, tu seras heureuse. Vous ne connaissez pas quelle prière maintenant pour faire que votre mariage marche. Je ne vous ai pas conseillé quoi sur la page ici. Quels sont les rites de sorcellerie que tu ne connais pas? Comme on dit qu'on s'appelle les sorcières là, oui. Qu'est-ce que tu ne connais pas jusqu'à ce que tu dis que toi là, tu vas que m'aimer. Tu as dit que tu m'aimes, non. You go love me. By fire, by force.
Tu as déjà préparé le terrain comme ça, là. Comme, ok, vous avez prévu. Tu as accepté le mariage. Tu rentres dans une prière de 7 jours comme ça, là. Jeûne, prière, tac, tu attaches les choses. Que toute personne qui va vouloir venir, non, tu enlèves. Maman, le mariage se passe comme ça. L'argent même qu'il attendait pour faire la cérémonie, ça vient même avant. Il dit que, mais pourquoi est-ce qu'on attendait même 4 mois avant de se marier? Marions-nous le mois prochain. Tu prépares les belles-mères. Faya, Faya, la belle-mère te voit et tombe amoureuse de toi. Avant, là, tes choses ne marchaient pas parce que tu ne connaissais pas. Tu dis seulement élan, élan comme ça. C'est les offrandes que vous n'avez pas appris à faire. C'est les dîmes que vous n'avez pas appris à payer. En payant, tu parles. C'est le lavage que vous ne connaissez pas faire. C'est les libations que vous ne connaissez pas faire. Allez voir. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Hein, ok? Allez être idiote. Vous avez compris, non? Quittez-moi sur ma page d'abord. Dès qu'on voit une femme, son mariage marche, vous pensez que la femme l'adore. Hé, hey, ton mari t'aime. Maman, tu as la chance. La quoi? Tu as la chance. Hein? Elle n'a pas la chance. Elle travaille. Bête que vous êtes là. Ceux qui ne sont pas bêtes ne seront pas offensés. Pour remercier les ancêtres, tu peux aller faire un saraka dans ton village. Je ne sais pas qu'ils sont généralement enterrés, non. Bon. Et à parler, avant d'accepter que quelqu'un vienne vous dire n'importe quoi sur vous, connaissez. Même si la personne t'arrête en route, il commence à dire que. Parce que parfois, ils vont dire, oh, tu suis une femme là que. Elle met des trucs dans votre tête. Non. Si tu m'as suivi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as vu comment tes choses ont commencé à marcher. Et que tu suivais les gens là depuis 20 ans, pour toi, ça ne marchait pas. Je pense que le cas est là, tu dois voir. C'est un signe pour toi. Voilà, les signes te parlent. Parce que souvent vous faites comme ça. Hein? Non, 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 les signes doivent te parler. Ça fait 5 ans l'homme me consulte. Justement, regarde les vidéos, si j'ai fait le sel seulement. Voilà comment 2 choses ont été changées dans ma vie. Je fais, je parle, je prie, je dis. Voilà comment ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et ça que vous ne partagez pas vos témoignages ici, là. C'est plus sur TikTok. Hier, alors, sur TikTok, les gens m'ont donné un témoignage jusqu'à. Sel, pipi. Facebook, là, souvent, vous gardez ça. Gardez, mangez vos témoignages, vous avez compris, donc. Parce que vous ne voulez pas que les gens sachent que ce que je dis est vrai. Non, moi, si je dis, les gens vont savoir. Non, moi, je ne vais pas dire. Si je dis, les gens vont connaître que ce qu'elle dit, c'est ça. Et les clients vont encore venir. En fait, c'est ça le mauvais code du noir. Ne vous inquiétez pas. Mes clients sont, ils vont toujours venir. Vous avez compris? Parce que ce que j'ai dit, ça marche. Il dit waka. Bonjour, la reine Biabi. Comment vont les enfants? Ils ont bien commencé l'école. Ange, voilà le numéro sur la page. Contacte le numéro pour la consultation. Tu as compris, Ange? Bon, bonne journée. Je vais faire une autre vidéo en journée. Par la grâce de Dieu.